Et on s'intéresse maintenant à une question transnationale qui va au-delà même des frontières continentales. La gestion des détenus extrémistes violents ne peut être assumée par les seules administrations des établissements pénitentiaires. C'est ce qu'ont souligné les participants au deuxième panel du premier forum africain des administrations pénitentiaires et de réinsertion qui s'est tenu ces deux jours sous le haut patronage du roi Mohamed VI. La représentante du Comité des Nations Unies pour la lutte contre le terrorisme a rappelé la nécessité du respect des droits des prisonniers qui constitue une condition décisive dans la lutte contre le terrorisme et la radicalisation, y compris en milieu carcéral. Pour rappel, près de 450 participants représentant 36 délégations pris part à ce forum, un forum qui porte entre autres sur l'approche participative efficace pour préparer les détenus à la réinsertion.